Je crois que l'homme ne se contentera pas de simplement survivre. Il deviendra dominant. L'homme est immortel non parce que seul parmi les créatures, il peut user d'un discours inépuisable, mais bien parce qu'il est doté d'une âme, d'une force spirituelle capable de miséricorde, de sacrifice et d'une patience infinie. William Faulkner, prix Nobel. Les dernières nouvelles présentées par Bingo Thomas. Le président Maximilian Arivan a une fois encore annulé tout projet relatif aux élections nationales envisagées, d'où un regain d'activité de la guérilla devant ce nouveau délai. Le président Arivan a déclaré que les prétendues atrocités commises en violation des droits de l'homme et attribuées à l'armée ou aux escadrons gouvernementaux de protection est une pure invention. Bizarre, je suis mieux payé pour les détruire que si je les construisais. S'ils me l'avaient demandé gentiment, je l'aurais fait gratuitement. Allez, dépêchez-vous, mesdames, remuez vos culs. Ralph, Ralph, amène le brisoir de l'autre côté, d'accord? Et le camion en haut de la rue, on en aura besoin. Hey, Cooper! Cooper, juste une minute, je voudrais te parler. Ouais, je veux te dire, j'ai passé quelques coups de fil. Tu sais, je t'avais dit, je le ferais. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Merci d'avoir essayé. Ouais. Bon, bah écoute, j'ai quoi te dire. Si j'étais toi, j'essaierais plutôt vers l'ouest. Ouais, l'Arizona, pourquoi pas. On dit qu'il y a beaucoup de travail là-bas. Tu sais, c'est difficile ici, dans l'est, en ce moment. Hein. C'est exactement comme ça que je m'en souvenais. Je pense que le vieux Harry finira ses jours ici. Femme, tu es ma cardi jusqu'à la fin des temps. Eh oui, hein, c'est ça, oui. Toujours ma préférée. Ah, j'y vais, j'y vais. Non, j'y vais. Mais non, j'y vais. Non, j'y vais. Harry! Je vais au téléphone. Tu prends du café après dîner, JF? Oui, avec plaisir. Merci. Alors, vous étiez dans les marines avec mon père, c'est ça? Oui, il était mon prof de sabotage au Vietnam. Ah, vraiment? Donc vous aimez faire sauter les ponts et tous ces trucs-là? Mais Glenn, tu as fini ce que tu avais à faire. Non, maman. Alors, vas-y. Allez, petit. Va terminer. Oh, Monsieur Cooper. Glenn, maintenant j'ai dit. Compris, j'y vais, d'accord.
Laissez-moi vous aider. Non, ça va. Non, mais ça ne me dérange pas. Pas la peine. Essayez de faire ça rapidement. Quelque chose ne va pas. Je trouve des gars. Eh, vous pouvez vous confier à moi. Mais c'est... c'est Harry. Il a... J'ai parfois l'impression qu'il est fou. Ah. Non, 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 quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Il ne pense qu'au pognon. Très vite et à tout prix. Ça ressemble pas à Harry. Mais de quoi parlez-vous? Salut. Oh, vous feriez bien de lui parler. Lui parler de quoi? Je sais seulement qu'il est impliqué dans une affaire dangereuse et il ne veut surtout rien dire. Ben, je pense que Harry sait très bien ce qu'il fait. Pas cette fois-ci. Eh, hey, ma tendre petite Kitty, ma chère petite nièce, ma tendre Kitty, pas ma nièce. Et qu'est-ce qui te rend si euphorique? Parce que mon cher, mon pote couple n'a pas oublié son vieux copain. Oh. Et pourquoi pas sortir et célébrer ça, hein, couple? Allons faire une virée, Kate. T'es d'accord? Non. Allez, viens, Kitty, devant lui, toi. Ah non, c'est pas moi. Oh, dis oui, non, Kitty. Viens, ce sera pas amusant si on y va sans toi. Oh, je non, non, elle, Kitty. Non. Oh, allez, partez. Oh. Et n'oublie pas de rentrer, quoi que tu pourrais. C'était un très bon dîner, Kate. Merci. C'était un plaisir de vous revoir, Jeff. C'est plus qu'un plaisir. Essayez de ne pas prendre trop de temps entre deux visites. Promis. Et ne vous laissez pas embarquer. Bonsoir, Jeff. Bonsoir, Kate. Kitty s'inquiète pour toi. Kitty? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, elle croit que t'es embringué dans un truc... peut-être illégal. Alors? Oh, c'est juste à quelques petites livraisons. Qu'est-ce que tu livres? Des armes. Mais que de la super camelote. Et il y en a un paquet, t'entends? Quelle destination, Harry? Espèce de salopard. Toi et moi, on est sortis ce soir, n'oublie pas. Allez, viens. Mais Harry, viens, je te dis. Il n'y a rien de véreux, je t'assure. Pas la moindre chose. Tout est destiné aux combattants pour la liberté. T'as déjà entendu parler de Santa Maria? Ouais, est-ce que tu lis dans les journaux? Est-ce que tu vois la télé? Barbara Walter? Oui, Barbara Walter. T'as entendu parler de ce maboule, cet idiot, Darivan? Tu sais ce que ce fils de pute fait aux mecs qui n'aiment pas? Il pend ses pauvres mecs en haut des lampadaires dans la rue. Tout ce que je veux, c'est essayer de donner un coup de main à ces gens-là. Mais pense à ta famille, Harry. Katie a peur que tu te plantes à ce jeu-là. Pourquoi tu crois que je fais ça, hein? Katie a plus de 15 ans de moins que moi. Encore combien de temps une fille comme Katie va-t-elle rester avec un vieux mec et un môme qui n'est même pas le sien? Elle ne croupira pas longtemps dans ce bled. Je suis sûr qu'elle restera. Laisse-moi te dire une chose. Tu ferais bien de te demander comment me donner, comment tu pourrais m'aider. Tu sais, couple, aucun de nous n'est ce qu'il était avant. Ouais, allez, viens. Viens faire un plongeon. Harry, c'est pas une piscine. Oh non, Harry, non, arrête, non, Harry, non. Harry.
désolé. Je n'ai rien pu faire d'autre. Pourquoi fait-il ça? Pour vous. Vous êtes prêts, Coupe? Ouais. Non, pas de grande scène, d'accord? Je reviendrai dans 10 jours. Un peu d'argent dans le coffre. Je t'aime. Je partirai par la terre, par la mer. Ensemble, nous traverserons les océans bleus turquoise, nous deux, sans personne, ni mère, ni père. Je partirai par terre, par mer, nous deux ensemble. Nous traverserons les océans bleus turquoise, sans père, ni mère. Adieu, ami. Plus j'y pense, et plus cette histoire me plaît. On pourrait écrire un opéra sur toi et moi, risquant notre vie dans une mission au bénéfice des opprimés. Oui, comme deux Don Quichotte. Harry, tu transportes des armes, tu n'es pas Albert Schweitzer. Oh, tu sais ce qui cloche chez toi. Tu n'es pas romanesque, ni chevaleresque. Ensemble, toi et moi, nous pouvons nous en sortir. Pourquoi nous, Harry? USMC, United States Marine Corps. Quelle est notre devise? Sempé Fidelis. Toujours fidèle, c'est ça, hein? Sempé Fidelis. Je suis fier. Depuis les arcades de Montezuma jusqu'au rivage de Tripoli, combattrons pour notre chère patrie, sur terre comme sur mer, les premiers dans la bataille. Toute dernière nouvelle de Santa Maria recueillie par Bingo Thomas. La guerre y entame sa 3e année. On est sûr que les pertes de l'armée vont croissant dans la région que contrôle la rébellion. Un porte-parole des rebelles a révélé que les militaires ont reçu l'ordre du gouvernement d'accentuer leur pression pour déloger les rebelles bien installés dans le nord des montagnes. Le président a ordonné de tirer à vue, ajoutant que quiconque collaborant avec les rebelles ainsi que les Américains qui voyagent dans ces régions le font à leur risque et péril. Señor, por favor. Chequez-le bien. Hé, hey, hey, une minute. Donne les papiers. Mais que se passe-t-il ici? Hé, hé. Je t'appelle. Hop. Attendez, monsieur. Hey, easy. Hey. Turista, turista, signore. Et ils ouvrent les portes. T'en fais pas. Tout est déjà prévu. Et voilà. Esperamos. Estamos esperando. Vamos a las armas. Así vendrán todos. Bueno, vámonos. Tu ne vas pas tout raconter en détail, Harry. Oh oui, c'est très bien. Désolé. Allô? Seigneur Borghini? Vos légumes sont arrivés, monsieur. Tout est en ordre. Bien. Vous savez quoi faire? Eh bien, seigneur. Nous avons un accord. Voilà, je vais être en retard pour mon match. Ciao. Buenos.
scandalo solo. I papi sono in ordine, signor. Grazie al signor, muchas gracias. E amusez-vous bien a Santa Maria. Hasta luego. Oui, bonne journée, vous aussi. Je t'avais bien dit que tout irait bien. Ou apprendre à être un peu plus optimiste. Qu'est-ce que tu vas me dire qui est derrière tout ça, Harry? Tu vois, tu recommences. Ah, qui que ce soit, il doit être dans les bonnes grâces de l'armée, et ça, ça m'inquiète. Ouais, tout ce qui doit t'inquiéter, Coupe, c'est comment tu vas dépenser tout cet argent qui nous attend à l'arrivée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, merde! Le moteur. Quoi? J'ai dit de couper le moteur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il te dit, Harry? Il n'a pas du tout l'air de plaisanter. Je dois couper ce sacré moteur? Fais-le, Harry. Tu es sérieux? D'accord. Merci beaucoup. Allez-y, les gars, détachez-le. Hé, hey, vous rigolez? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez les papiers? Vous avez l'autorisation de faire ça? Tu calmes. Non, je vais pas me calmer. C'est mon camion. C'est ma vie. Mais répondez quand je parle. Loris, fils de pute. Il est passé dessus à ce pas le con, Harry. Le faire, cet enfoiré. Harry! Non! J'aurais dû vous le dire. Santa Maria n'est pas un endroit pour amateurs. Bon voyage, amigos. Bon, les gars, emparez-vous de cette remorque. Coupe. Promets-moi. Je vais t'occuper de Kate et de mon fiston. Promets-moi, Coupe. Tu me promets? Je te le promets, Harry. Coupe. Je t'aime, mon garçon. Je t'aime beaucoup. Sampé. Fidelis. Allez! Cabrone! Ah! Ah!
j'ai pas besoin de vous. T'as vu la tête qu'il a fait, ce connard, quand j'ai foncé dessus avec le caterpillar? Il était jaune comme le cul d'un poulet. Dis donc, Borghini va faire de nous des hommes très très riches, hein. C'est quand qu'on touche l'argent? Quand Borghini me paiera, je te paierai. Maintenant, arrête de poser des questions. Bon, allez, donnez-moi trois cartes. Chut, c'est quoi? C'est quoi ce bruit? Tu entends? Tu entends? Curieux. Jusqu'à hier soir, mon homme de confiance avait le chargement d'armes comme prévu. Mais aujourd'hui, on me dit que le chargement et Kennedy ont disparu. Comme je disais, c'est très curieux. J'espère que ce Kennedy n'a pas l'idée de faire cavalier seul. Ah, cara mia. Doucement. Fais attention. Je suis en panne.
Il y a une station à plus de 20 km de ce côté-là. C'est dangereux pour une femme de tomber en panne. Comment savez-vous où il y a de l'essence? Sur la carte, c'est marqué. Et vous voulez sans doute que je vous remercie. Ne vous fatiguez pas. Mon nom, c'est Sidney. Qui êtes-vous? Kennedy. Ian Kennedy. Merci pour le coup de main, Ian. Mais de rien, Sidney. Allons-y. Laissez seul ici. Il y a plein de soldats à Larimane. Vous ne pouvez pas comprendre, mais j'ai peur. Je vous expliquerai plus tard, c'est promis. Et je vous en prie, fichons le camp d'ici. Où voulez-vous aller maintenant? Vous voulez le savoir tout de suite? Tu devrais te lever. Buenos días, señor Kennedy. À Santa Maria, nous aimons arriver à l'heure à nos rendez-vous. Ne vous inquiétez pas. Nous voulons nous assurer que le chargement est correct. Dès que ce sera vérifié, vous serez libéré. Parfait. Merci. Nous pensions que vous nous accompagneriez. Qui est cette femme? De l'armée de libération, vous êtes arrêté. Levez les mains en l'air. Si de la moindre résistance, on vous abattra. Vous êtes maintenant prisonnier de l'armée de Santa Maria. Santa Maria, dernière nouvelle, Bingo Thomas. Un coup très dur aujourd'hui pour les forces rebelles. L'armée aurait intercepté une importante livraison d'armes et de munitions ainsi que le transporteur. Ce sympathisant de la rébellion circulait avec un faux passeport britannique au nom de Ian Kennedy. L'ambassade britannique dit tout ignorer des activités de Kennedy qu'elle ne connaîtrait pas. L'armée de son côté a annoncé que Kennedy serait exécuté en fin de semaine prochaine. Buenos días. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Señor. Robert Atherton Thomas, 3e presse internationale. Gracias. Et il y en a encore beaucoup d'autres, là d'où ça vient. Considérez-le comme présent d'un fermier décadent. Et Ian Kennedy. Thank you.
Vous parlez le français? No comprendo. De la part du ministère de la surabondance, d'accord? Gracias. Oh, de nada. Si nous désirons de la glace, je vous appellerai. Vous êtes tout à fait parfait. Excusez-moi, Yann? Monsieur Kennedy? Monsieur Kennedy, mon nom est Robert Atherton Thomas. Je suis de 3e presse internationale, mais mes amis m'appellent Bingo. Pas faire foutre, pendejo! Excusez-moi, signor. Excusez-moi. Excusez-moi, Yann? Monsieur Kennedy? Mon nom est Robert Atherton Thomas. Je suis de la 3e presse internationale, mais mes amis m'appellent Bingo. Bingo. Oui, comme I-26, G-33. Parce que qui joue ce jeu avec moi, gagne. Bingo. Ah, dis donc, vous êtes plus grand que je pensais, hein? À peu près 1,85. Et encore, je suis pas détendu. Très drôle. Non, c'est drôle. Vous avez le sens de l'humour, c'est excellent. Comment ça va? Prisonnier. Bon, c'est provisoire. Ouais. Et bientôt, je serai un prisonnier mort. Peut-être. Vous savez quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Je peux m'asseoir. Je suis journaliste. Je voudrais l'exclusivité de votre histoire. Yann, qu'arrivera-t-il si vous... si vous êtes relâché? Marquez, ça m'étonnerait bien, mais si vous rejoignez ces pauvres opprimés dans leur combat contre Ariban. J'oubliais. Et j'oubliais de vous dire que le presidente Maximilian Ariban raconte à ses opprimés que vous faites partie d'un complot de l'étranger pour s'emparer de Santa Maria. C'est une bonne histoire, n'est-ce pas? Si des moins si cette histoire est vraie. Mais elle ne l'est pas. N'est-ce pas? Je ne m'intéresse pas à la politique. Et je ne rejoins absolument personne. Non, juste un instant. C'est encore mieux. Eh oui, c'est parfait. Alors vous pourriez très bien être le grand cavalier au chapeau blanc qui pénètre dans la ville, la nettoie et ensuite épouse la fille du maire. Vous voyez le tableau? Je pourrais faire de vous, moi, Billy the Kid, Robin des Bois. De quoi parlez-vous, Bingo? Yann. Yann, ce qui vous manque, c'est une vue d'ensemble. Ce qui vous manque à vous, c'est une case. Ah bon? Yann, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Nicaragua, au Salvador, et aussi ce qui se passe en Iran, une petite nation médiévale, de rien du tout, nous botte le cul, nous coupe les couilles menues et nous les fait bouffer toutes crues. Et nous, on n'a rien fait. On est resté là, devant nos télés, à regarder l'événement et en priant pour qu'un John Wayne débarque sur son grand cheval blanc et nous sorte de là. Eh ben, mon vieux, non, parce que le Duke est mort. Ciao, Duke. Tout le monde en Amérique crève de faim à cause de ce dément d'Ariban. Et vous voulez savoir quelque chose d'autre, Yann? Ils attendent un héros et je vais faire de vous le prochain grand héros américain. Je crois que vous êtes fou. Ça aide beaucoup à passer le temps ces jours-ci. Vous êtes un rigolo. Mais vous vous gourrez. J'ai d'autres projets. Voulez-vous y réfléchir? Oui, bien sûr. Parce que vous ne m'avez pas l'air très occupé aujourd'hui. Je vois pas de ping-pong, pas de piscine non plus.
Garde! C'est gentil d'être passé. Ce fut un plaisir. Garde! Vous viendrez à mon exécution? Oh oui, mais je n'y manquerai pas. Et garde! Vous savez où me trouver. Oui, j'ai la bonne adresse. Garde! Juan! Carlos! Carlos, vite, avant que les gardes ne reviennent! Ne reste pas là, allez! Hé, hey, Carlos, allez! Vamos! C'est curieux comme les bonnes idées se mettent vite en route, non? Un petit sourire? Allons-y! Venez, allons-y! Oh, j'aurais pas mieux fait en l'écrivant moi-même. Non, 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 Vamonos, vous, Vamonos, tenez vos fusils en l'air! Vos fusils, vous les tenez en l'air! Oh, c'est merveilleux! C'est Robin des Bois, Robin et ses compagnons. Oh, vous êtes génial, Kennedy! Je vous trouve très grand, moi! Oh, c'est fantastique! Oh, encore un petit sourire, là! Un petit... Signor Borghini. Gracias. Is it Lams? C'est moi, Borghini, et c'est Lams. Rentrez. J'ai doublé la carte sur les ponts selon vos ordres. J'ai également doublé la garde présidentielle, comme vous le constatez. Vous savez doubler les gardes. Oui. C'est plus prudent. Excellence, croyez-moi, votre forteresse est totalement gâtée. Vous êtes à l'abri ici comme un tigre dans sa cage. Et où étaient passés les gardes de la prison cet après-midi? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis en sécurité quelque part? Excellence, malgré la confusion, j'ai pu affirmer que de toute manière, les rebelles sont de plus en plus affaiblis. Affaiblis? Affaiblis? Vous appelez cela affaiblis? Ils se vengent en plein centre de ma ville. Ils tirent des coups de fusil. Ils détruisent ma prison. Ils libèrent ces traîtres des partisans. Et malgré tout ça, il n'y a pas eu un coup de feu tiré contre les partisans. Et maintenant, vous avez le culot de me dire, ils sont de plus en plus affaiblis. Votre Excellence se rappellera qu'elle vient juste de leur prendre un chargement d'armes. Vous m'avez assuré que tous ces hors-la-loi ne pouvaient pas monter une offensive dans cette ville. Que vous aviez restreint leur activité dans mon territoire. Et maintenant, ils m'humilient, vous m'entendez? Je présume qu'il ne me reste qu'à vous montrer comment je traite les traîtres. Ces traîtres ont beaucoup d'amis à la capitale, Borghini. Eh bien, je vais commencer là-bas. Le peuple doit connaître les prix de leur trahison. Ce sera tout, Borghini. Bien sûr, votre excellence. Merci. Préparez, apuntez, fuego! Qu'est-ce qui se passe à Borghini?
Vous ne comprenez pas la nécessité de tout ceci. Ceci est mon devoir. Ma responsabilité. Je dois nettoyer notre nation de tous ceux qui veulent détruire sa gloire véritable. Et bien sûr, votre excellence. C'est juste que je ne vois pas très bien comment plus d'exécutions amèneront les peuples à se tenir contre les rebelles. Votre excellence, Seigneur Borghini est un pragmatiste. Et vous, votre excellence, vous êtes un patriote. Qui arrive à la sua excellencia. Vamos ahora. ¡Pero córrenle! Les nouveaux fusils que vous m'avez promis seront-ils livrés à temps pour mon anniversaire, Borghini? Garanti, dans 3 jours, ils arriveront par contre. Bien. J'ai promis ces nouveaux équipements à ma garde présidentielle. Ils feront beaucoup d'effets avec ces automatiques. Ne croyez-vous pas? Évidemment, votre excellence. Beaucoup d'effets. Merci. Écoutez, que se passe-t-il là-bas? On ne peut pas l'oublier. On n'arrivera plus. Il y a un désaccord au sein du Conseil. À propos de quoi? Vous. Qui est le gars sur la droite? Juan. C'est notre leader. C'est le chef du Conseil. Il était dans la cellule, il ne m'a pas dit un seul mot. Que pouvait-il dire? Qui est l'autre gars, celui qui fait tout ce bruit et qui m'a sorti de tôle? Carlos. Il regrette de vous avoir sauvé. Il pense que vous devriez être fusillé. Vous manquez d'originalité dans ce pays. Ah, parfois c'est vrai, Carlos est un petit peu... Mais c'est un grand combattant. C'est un type bien. Tout comme John Wayne, vous savez. Comme qui? John Wayne. John Wayne, le Duc. Le Duc? Oui, c'est ça, le Duc. Sons of Iwoyama. Flying Leathernecks. Je connais tous ces films. Ouais. Ils m'apprennent comment combattre un Ivan. Et ça m'apprend très bien. Ouais. Bon, écoute, comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Miguel. Miguel? Ouais. Miguel, qu'est-ce que tu penses de se mettre à l'abri, hein? D'accord? Oh, d'accord. J'aime John Wayne aussi. Ouais, j'aime John Wayne. Il est génial. Ouais. T'aimes aussi Burt Lancaster? Ouais, Burt Lancaster, j'aime ouais. aussi. Ouais. Robert Mitchell. Robert qui? Robert Mitchell. Robert Mitchell. Mitchell. Ah, Robert Mitchum. Ah, Mitchum. Oui, Mitchum. Ouais. Ouais. Bob Mitchum. Bon, c'est un nul lui aussi, n'est-ce pas, hein? Ouais. Un vrai? Ouais. T'as une cigarette? Quoi? Cigarette! Robert Mitchum. Ouais, c'est un bon acteur, hein?
Burt Lancaster. Ouais. John Wayne. Tiens, prends. Mais c'est la dernière. T'es sûr? C'est pas des briquets. Hein? Monsieur Kennedy, le Conseil a décidé de vous faire sortir du pays. Nous partirons donc à l'aube demain. Je vous remercie vraiment de m'avoir sorti de tôle, mais... j'ai pas l'intention de quitter ce pays. Vous n'avez pas le choix, cabron. Oh, je crois que si. Je dois terminer quelques petites choses ici. Petites choses? Avec Arivan et Borghini, vous êtes bien. Non, j'ai mes propres raisons d'être dans ce pays. Vos putains de raisons vous regardent. Vous partirez demain matin. Pressé de vous débarrasser de moi. Je ne vois pas pourquoi vous voulez rester ici. Il n'y a rien pour vous ici. Nous n'avons pas d'argent pour les mercenaires. Alors vous croyez que je suis un mercenaire? Les hommes qui devaient vous emmener. Sortez d'ici! Vous n'avez pas le droit! N'ayez aucune crainte, nous ne vous ferons aucun mal! Vous! Vous là-dedans! Vous êtes cerné, rendez-vous. Vous m'entendez? Laissez les enfants sortir. Les enfants et le professeur. Maintenant, vous en premier. Et sortez un par un. Et levez les mains en l'air. Qu'est-ce que vous attendez pour sortir? Thank you.
quel côté de la révolution était-elle, hein? Maman, regarde ça. Oh, chérie, ne le pose pas là, tu vas renverser quelque chose. Ça, juste une petite minute. Oh. Ça ressemble à JF, non? Oh, Dieu. Peut-être qu'il parle de papa. Nouveau Robin des Bois combat les soldats à Santa Maria. Reportage exclusif de Bingo Thomas. Non, Seigneur, c'est pas la peine de pousser. Buenos días, buenos días. Ah, c'est merveilleux. La troupe des compagnons de la forêt de Sherwood, comment ça va? Buenos días. Ah, ah frère Tuc. Pax vobiscum. Salut. Salam. Bonjour au roi de la forêt de Sherwood. C'est tout à fait chic, Bingo, mais enfin, peut-être pas vraiment utile ici. Ah, mais c'est pas la première guerre que je cours, moi. Il y a eu l'Iran, le Liban. C'est une excentricité défensive qui m'a déjà sauvé la vie pendant que je vous cherchais partout. Oh, vous êtes superbe. Je vous vois déjà sur le poster représentant la Révolution. Oui, c'est ça, c'est où? Oui, mais une seconde. Regardez ce que j'ai pour vous, là. Regardez ça, regardez cet article. Il est passé dans 120 grands journaux. Et dans tout le pays, c'est monumental. Ils l'ont publié exactement comme je l'ai tapé. Bon, moi, je vous avais dit que j'étais en contact permanent avec le cœur de l'Amérique, non? C'est de la merde. Tout ça est complètement inventé. Presque, mais pas tout. Comment ai-je adopté une orpheline, hein? Yann, vous devez me permettre quelques libertés littéraires. Savez-vous de quoi nous discutons ici? Dites-moi quelque chose approximativement. Nous étions en train de parler du prix Pulitzer. J'ai comme l'impression que vous avez une ambition illimitée, n'est-ce pas? Il y a un temps pour la timidité et un temps pour la modestie, mais nous n'en sommes pas là. Il me paraît chaque jour de plus en plus clair que je suis remarquable. D'accord, modeste. Maintenant, dites-moi tout à propos d'un certain Borghini. C'est sa mère Mackerel. Eh bien, Ariban aime les jeunes filles très jeunes, fraîches et très jeunes. Et plusieurs fois par semaine, il invite ces jeunes filles à la forteresse. Il leur fait l'honneur de venir dîner avec El Presidente une fois qu'elles sont lasses. C'est leur dernier souper. Il dit que ça le maintient plus proche de la voix de son peuple. Faut-il voir dans cette décadence une forme de contrôle de la qualité? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Peut-être votre façon de le dire. Yann, écoutez-moi, je suis désolé si j'ai dit quelque chose qui l'a offensé. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que toi? Non, mais vous ne comprenez pas. Le vide ici, c'est ça le problème. Vous voyez cette gentille fille, là, toute innocente, eh bien, elle tranchait les gorges à l'âge de 9 ans. Et elle pourrait aussi bien vous faire sauter la tête comme ça. Vous feriez bien de vous en rappeler. Dis-moi, je suis observateur. Et de plus, si les choses tournaient au vinaigre, vous seriez là pour me protéger. Ah oui, vraiment? Et pourquoi je ferais ça? Parce que vous êtes un héros. C'est dans votre nature animale. Vous êtes un véritable héros. Plus vous me rendez important, et plus je deviens une cible.
C'est ce que vous voulez, non? Je saurais m'en sortir. J'ai mes propres raisons pour être ici. Mais vous, je ne crois pas que vous sachiez ce que vous faites. Vous agissez comme si vous montiez un spectacle, mais c'est peut-être vous, l'acteur. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me plaisez. Laissez-moi vous donner un conseil. Ne restez pas trop près de la cible. Vous pourriez peut-être bien vous faire tuer. Étrange, très étrange. Désolé pour ce que mon copain a pu vous dire tout à l'heure. Il ne voulait pas vous blesser. Mais quel genre d'homme est donc votre copain? Ce Bingo! Il déforme toutes les choses. Vous, ça vous est égal. Il fabrique un tas de mensonges. Puis Robin des Bois. Votre nom, c'est Ian. Ian Kennedy. Ouais, je sais. Si j'étais une de ces filles, une des filles qu'on amène à Ariban, je serais contente d'y aller. Pourquoi? Vous ne savez pas. Je veux être toute proche de ce porc. Assez près de lui pour le supprimer. Vous seriez tué, vous aussi? Je n'ai pas peur de mourir. Peut-être que vous avez peur de vivre. Croyez-moi. Croyez-moi. Je comprends que ça vaille la peine de mourir pour quelqu'un d'aimer. Mais ça ne vaut pas la peine de mourir pour quelqu'un de haï. Non comprendo. Je veux seulement vous dire, ne soyez pas trop pressé de mourir. John Wayne, eh? Vamos, vamos, vamos! Allons-y! Allons-y!
vu un camion. Où sont les fusils? Non. Occupe-toi de ce qui parle. Où c'est? Voilà qui? Bon boulot. Et ici, depuis peu de temps, et tu nous aides. Je me demande pourquoi. Hé, hey, dis-moi, pour qui tu fais ça? Quelle différence ça fait pour qui je fais ça? Un idéal? Un pays? Un ami? C'est la même chose, tout ça. Il y a un homme ici, dans ton cher pays. Un homme très important, et qui est responsable de la mort de mon ami. Quoi que je sois obligé de faire, ou quoi que ça me coûte, je me suis promis de le tuer. Me suis-je bien fait comprendre? Carlos, passe-moi un. Ces fusils. Ils étaient destinés à la garde présidentielle. Du beau matériel. Quand tu veux, Ron. Je suis prêt si tu l'es aussi. Bon, vas-y. Maria, petit pays déchiré par sa révolution, le gouvernement a officiellement accusé la presse américaine d'attirer volontairement l'attention sur les opérations très exagérées selon lui d'un chef de la guérilla connu sous le nom de Robin des Bois Kennedy. Celui-ci aurait conduit avec succès de nombreuses attaques contre les forces gouvernementales. Sa popularité croissante aurait aidé à l'unification des diverses factions rebelles. Et l'on aurait même noté des désertions dans l'armée nationale. Dans un appel aux Nations Unies, le président Maximilian Arriban affirme que Kennedy est en fait un agent américain et que ses activités constituent un cas flagrant de l'intervention américaine dans les affaires intérieures d'un pays étranger. Un porte-parole du département d'État conteste tout lien entre les États-Unis et le nommé Kennedy. Il ajoute que les accusations d'Arriban ne valent même pas la peine qu'on s'y attarde. Yann dit que la foule l'applaudissait sans fin. Kennedy a déclaré à nouveau, Votre Excellence, bien que je cite les journaux, qu'il ne quittera pas Santa Maria tant que ce boucher d'Arriban... C'est de la mauvaise propagande, des mensonges. Ce monsieur Kennedy est un faiseur de troubles, un ennemi public, un monstre en liberté dans nos rues. Il faut l'éliminer. Avec votre permission, Votre Excellence. Pourquoi ne l'attirez-vous pas à votre cause? Utilisez sa popularité pour votre bénéfice. Je vous laisse vous débrouiller, Borghini. Faites comme bon vous semble. Je ne vais plus entendre le nom de cet homme
Votre Excellence. Votre Excellence. Mais ce n'est pas mon Ian Kennedy. Mais faites attention, Francine! Laissez mon bras! Aïe! Oh! Chambre après-midi, mais est-ce que je pourrais rentrer chez moi maintenant? Merci. Notre objectif numéro un sera d'isoler la forteresse de l'armurerie et de toute possibilité de renforcement. En faisant sauter le pont, nous isolons Ariban dans sa forteresse. Juste au moment où sa garde arrivera à la cérémonie d'anniversaire du président. Il sera impossible à la garde présidentielle d'organiser une quelconque défense sans le support des troupes de l'armée. Ils sont juste ici, de ce côté du pont. Donnez-moi un hélicoptère et je pourrai faire diversion et même vous couvrir. Un hélicoptère, pas question. Messieurs Romain et moi. Ouais, je vois. Bon, dites-moi. Quelqu'un a-t-il parmi vous déjà fait exploser un pont de cette taille? C'est ce que je pensais. Bon, je ferai le boulot à votre place, mais c'est moi qui dirigerai. Le synchronisme est vital car il faut être au bon endroit au bon moment. Combien d'hommes vous faut-il au pont? Miguel semble savoir ce qu'il fait. Je le prends avec moi. Il m'en faut un autre. Qui connaissent les explosifs? De préférence, ça pourrait bien nous servir. Carlos, tu vas avec Miguel et Yann. D'accord, Juan. Ouais. Tout a été dit pour le moment. Nous mettrons les dernières choses au point ce soir. Buena suerte. Est-ce qu'il y a une carte de cette région? Sur la table. Ian, vous comprenez pour Carlos. Il a beaucoup d'expérience. Ce pont est trop important. Oui, oui, je sais. Tout se passera bien, vous verrez. Il sait que c'est vous qui commandez. Ça pourrait bien lui donner l'envie de me tirer dessus. N'oubliez pas, Carlos est de notre côté. Pour votre sécurité et pour la mienne, j'espère que c'est vrai. Vous avez la liste des explosifs ici? Oui. Vous voulez parler à Kennedy? Comment procédez-vous? J'utilise ma boule de cristal. Ah! Oh. Il n'y a pas de Kennedy. Il était assassiné à Dallas en 63. Vous lisez jamais les journaux? Il n'y a pas de Kennedy parce que c'est moi qui l'ai inventé.
C'est de la fiction. C'est de l'air. Mets-le debout. On recommence. Citoyenne de Santa Maria, on offre une récompense de 50 000 pesos pour toute information qui conduira à la capture de hors-la-loi Ian Kennedy. Ces mercenaires n'est qu'un ennemi de la liberté. Pourquoi vouloir les protéger? Ian Kennedy est l'ennemi de tous les habitants de Santa Maria. Il est non seulement l'ennemi de notre nation, mais également l'ennemi du monde entier. Monsieur Borghini. Carlos, qu'est-ce que c'est que cette importante information que tu veux me donner? J'espère qu'elle vaut le coup. Démarre, Pépé. Ah, il va pleuvoir. Ma mère me disait que vos yeux étaient partout, que vous veilleriez toujours sur moi. Elle vous aimait, Santa Maria. Des histoires sur vous et sur l'enfant Jésus. Et quand elle prononçait votre nom, Ave Maria, son visage devenait rayonnant. Maria Teresa. C'est pour elle que je fais tout ça. Et si vous vous souvenez, in nomine Patris et l'amour de ma mère pour vous, Amen. S'il vous plaît, Santa Maria, veillez sur moi ce soir. ¿Cigarro? No. ¿Todo muy bien? Mira, ando bien. Chao, adiós. Güey, Carlos. ¿Y Pablito? No. Eso es interesante. Ahí, viene, viene para ahí. Ahí.
attend mon signal. La fusée? Oui, la fusée. Et t'as plus les deux mains. Ouais. Et bonne chance. Toi aussi. Ce soir, n'aie pas peur. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Allons-y. Donnez-moi le signal, une fusée, dès que Tara sera en sécurité. Non, vous êtes mon frère. Presidente, joyeux anniversaire. Libertad o muerte. ¡A la
Robin des Bois, tu as perdu. Pourquoi? Pourquoi as-tu été meilleurs amis? Tu as volé mes amis. Ma famille. Tu as volé ma révolution. Tu as perdu ta révolution. Tu as décidé que ça valait plus que tous tes amis. Borghini ne pense pas comme toi. Borghini? Et maintenant, nous t'avons bien piégé. Adios, cabron! Hey Duke, est-ce que le pont a bien sauté? Oui, il a sauté. Tragiques événements des derniers jours, ici à Santa Maria, la vie semble reprendre un cours normal, plus rapidement qu'on ne l'attendait. Les apparences, cependant, peuvent être trompeuses, et tout particulièrement ici sur place à Santa Maria, où de nombreuses questions restent toujours sans réponse. L'une des réponses manquantes est des plus fascinantes. Le sort exact du chef rebelle dit Robin des Bois, c'est-à-dire Ian Kennedy. Son nom figure parmi les tués des combats de la semaine dernière, mais d'autre part, son corps n'aurait pas encore été identifié. Le passé de cet homme reste mystérieux, ainsi que son rôle exact dans la mort du président Ariban. Le mystère plane aussi sur les heures tragiques vécues lors du renversement. Certains disent la chute du gouvernement. Et selon la formule, l'histoire penchera. Place donc aux historiens. Mais pour l'heure, Santa Maria a remis son avenir entre les mains de son nouveau président, Alfonso Borghini, qui vient tout juste de s'envoler pour la capitale, où il retrouvera sa charmante épouse Sydney. Elle sera à ses côtés, ici, à Santa Maria, en tant que vice-présidente. Le président désigné Borghini effectuera officiellement, comme première mission, l'acte de dédier une statue à la mémoire du président martyr Maximilian Narivas. Sydney Borghini, vice-présidente désignée, a d'ores et déjà tenu une conférence de presse. Le gouvernement de son mari, a-t-elle dit, continuera d'appliquer les lignes politiques et les programmes qui étaient ceux de feu le président Ariban. Pour la mort, a-t-elle souligné, est un coup terrible porté à la cause de la liberté dans le monde. Ta gueule! Où j'ai fait? Pas un geste. Attention! Vous! C'est vous qui vous êtes fait passer pour mon homme de main, Kennedy! Pourquoi? Que
voulez-vous? Attendez-moi, pourquoi faites-vous tout ça? Pour qui travaillez-vous? Pour une personne qui veut venir en aide aux malheureux du monde entier. Et donc, que pour un Américain, vous êtes bien naïf. Que voulez-vous? L'argent, hein? C'est toujours pareil. Combien? Répondez, je vous parle. Vous voulez 500 000 dollars américains, c'est bien ça, hein? C'était mon budget pour la garde présidentielle dans le cas. Vous voulez plus? Je donnerai plus. Combien avez-vous promis à Harry, hein? Qui Harry? Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous enfuir ailleurs que sur la place. Mon Dieu, regardez ce que vous avez fait. Vous venez de kidnapper le président d'un pays étranger. Il n'y a pas de place pour vous, nulle part. En fait, je suis votre seul espoir, mon ami. Donc si je vous laisse aller sur la plaza, je touche mon argent, c'est bien ça. Bravo. Hé, ma ceinture présidentielle, regardez. Votre peuple vous attend, hein, Presidente. Gracias. Enrique, je suis maintenant présidente, non? Si, señora Presidente. Sape fidelis, Harry. Sape fidelis.
no reason to break in despair. The weight of the pressure comes chasing you down. Step back.